Bon matin tout le monde. Fait qu'à matin, on se réveille au camping aménagé par les sentiers frontaliers. Camping de la rivière au saumon. Vraiment beau spot. Fait que, ouais, à matin, je me suis réveillé un petit peu plus de bonne heure que je pensais parce que dans le fond, c'était un peu frais. Fait que là, ben, faut que je déjeune puis je puisse boire au moins 2-3 gorgées de café de plus parce que là, ouais, j'ai le cerveau qui a de la misère à starter un matin. Il fait touc, 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 touc. Puis je vais me chercher un petit peu de bois de poêle, là, je pense aussi, là, parce que là, ça baisse. Ah ben quand je vois ça, là, les peintures sur les arbres puis le petit mobile en os, je vois qu'il y a des artistes dans la place, ça me fait rire un peu. Fait que je suis allé me ravitailler en eau. Fait que même si la rivière est juste là, c'est tellement incliné pour descendre la rivière que c'est comme je vous ai dit quand que je suis allé faire la traversée des sentiers. Des monts mégantiques. On se risque pas, quand on est seul, d'aller chercher de l'eau de manière périlleuse quand que j'ai eu juste 5 minutes de marche à faire pour aller direct sur le bord de la rivière. Puis là, ben, ça va être l'heure de me ramasser tranquillement, là. Puis il faut jamais oublier, quand on part un petit feu de même, c'est qu'il faut qu'on le rouvre. On distance tous les morceaux de bois. On en regarde pour voir s'il reste pas de braise. Puis s'il faut, je pense que je vais refaire une autre marche de 5 minutes. Je vais aller me rechercher de l'eau, puis je vais vraiment éteindre mon feu avec de l'eau pour être sûr qu'il reste vraiment rien. Parce que, tu sais, avec un sous-bois de même plein d'épines de sapin au sol, ça serait dangereux de faire un feu de forêt. Ça fait que je ne veux pas être la cause de ça. Fait que je vais m'organiser pour fermer mon feu comme il faut. Puis, quitte à passer ma main un peu partout pour être sûr qu'il ne reste aucune chaleur, puis inonder mon feu pour pas qu'il arrive rien. Fait que là, on se ramasse. Un matin, vu qu'il faut que j'éteigne mon feu puis que j'ai déjà rempli ma bouteille pleine d'eau, je suis reparti avec mon réservoir vide. Puis je voulais vous emmener avec moi pour vous montrer où c'est que je vais me ravitailler en eau. C'est pas juste parce qu'il y a de l'eau, c'est parce que c'est vraiment un beau coin, un cool spot. Près des chutes de la rivière au saumon. On entend un peu justement le son là, de la chute. Mais c'est en haut de la chute. Regardez ça, le beau petit coin. Fait que ça, c'est facile là, avec le petit débit, la petite chute que là, on a juste à mettre notre réservoir dans le sens de la chute, puis on ramasse l'eau, ça prend 30 secondes. Je suis sûr que ça n'a même pas pris 30 secondes. Un litre d'eau. Pouf! Fait que là, on se retourne au feu. Puis, on va aller éteindre ça comme il faut, cette affaire-là. Fait que là, moi, j'ai pris de l'avance. J'ai vidé mon réservoir sur la balance de mon réservoir sur le côté chaud de mes bûches. Fait que je les ai mis le côté qui était blanc, dans le fond, qui était ardent. J'ai fait le tour. Lui,
ça c'est correct, on voit que ça ne fume plus. Mais là ici, on voit là, qu'il se dégage encore un peu de fumée, ça veut dire qu'il y a de la chaleur, il va falloir que j'arrose tout ça. Vu que c'est blanc, c'est comme un signe, là je le sens, il y a de la chaleur ici. Mais c'est important de ne pas tout mettre le lot à même place. On écoute. On voit là, ça a changé de couleur. Là. Tu sais, c'est plus blanc. C'est rendu plutôt brun. Ça veut dire qu'il ne reste plus de chaleur. Fait que c'est comme ça que j'éteins mon feu. Puis même s'il resterait quelques petites braises, là, c'est tellement négligeable, ça va s'éteindre avec la. Vu qu'il n'y a plus d'alimentation en chaleur ni en combustible. Bon, ben on repart du camping de la rivière au Saumon pour s'en aller au camping du lac d'Angers. Une randonnée de 18 km. Je pars, il est 10h30. Je pense que l'inclinaison, à part quand on arrive proche du lac, ça va être quand même pas mal plat en parenthèse. Là, la température est quand même assez douce, mais pas très fraîche. D'après moi, dans l'après-midi, il va faire un peu chaud. Ça va être ça. Fait que là, apparemment, je m'en vais dans un secteur qui risque d'avoir des herbes hautes. J'ai hâte de voir. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. J'espère que, malgré que si c'est comme le sentier, juste avant que j'arrive au camping, la base plein air de la Patrie, si c'est ça, ça va être pas si pire, là, mais je souhaite que ça soit facile aujourd'hui, mais j'ai quand même 18 km à faire. Ouais, ben franchement, c'est un super beau sentier depuis hier après-midi, genre que je longe la rivière. Et je pense que ça va être de même une grosse partie de la randonnée, c'est que c'est vraiment le fun. C'est apaisant le petit son là, qu'on entend tout le temps là, de l'eau qui déroule là, dans la rivière. Ouais, ben j'avoue que c'est le parcours du combattant. Bâtiche. C'est vraiment la jungle. Puis là, comme c'est là, je viens de traverser une mini tourbière, genre. Fait que le sol, il est mou. Là, faut-tu te battre pour te tenir debout. Ouf! Puis il fait chaud. Ouais, ça l'aide pas. Fait que là, on va voir combien de temps que je vais toffer là-dedans. Sinon, on va essayer de trouver une alternative. Là, c'est bien beau vouloir faire 18 km dans des vraies conditions plus difficiles, mais tant qu'à moi, je suis pas tant obligé de souffrir. On va voir si ça s'améliore, sinon on va essayer de me trouver une manière d'en venir sur le rang 8 et le rang 10, puis après ça, lac. On va faire ça court. Tiens, je vais avoir un petit passage à gué à faire. Là-dedans. Mais entre les deux, j'ai décidé de prendre un petit break, puis de sécher ma chemise un petit peu, puis de sortir la collation. Ça, puis des noix, il n'y a rien de mieux pour apprendre un peu d'énergie.
Là, ben, on a juste une belle petite roche, là. Ça fait que je suis assez tranquille. J'en prends un petit peu de gaz, puis après ça, il y a une pancarte, là, de là, avoir une indication de quelque chose. Tout à l'heure, quand je vais traverser, ça va me donner une idée un peu de ce qui reste à faire avant de pogner un petit peu un bout de plus facile. Si on serait dans le bois, ce serait peut-être moins pire, mais là, souvent, on est sur des genres de chemins, des anciens chemins forestiers qui sont laissés aller. Ça fait que le foin, il est vraiment haut. C'est vrai qu'il est haut. Fait que là, ouais, c'est un petit peu plus tough que je pensais, mais j'espère que la balance va aller un petit peu mieux. Sinon, je vous le dis, je vais me trouver une alternative, puis je vais aller... Là, je pense que je vais mettre un petit peu le bras dans l'engrenage. Je pense qu'avant que je trouve un chemin de gravier ou quelque chose dans la main, j'ai encore bien du kilométrage à faire, mais en tout cas, je vais voir. Ouais, au moins, il fait beau. Il y a au moins ça. Bon, à cette heure qu'on s'est rhabillé, que j'ai remonté mes pantalons. Bon, on est bon pour y aller tranquillement. Surtout que j'ai pas le goût de vous échapper, ça fait qu'on va y aller pas à pas. Bon, ben, bonne nouvelle. 4,1 km pour me rendre au 10e rang. Puis après ça, au bout du 10e rang, je pense que c'est là qu'est le lac d'Angers. Ça fait que si je suis tanné, je vais juste faire le rang au complet, puis c'est tout. C'est peut-être ça que je vais faire. Ça va me permettre de me mettre en short puis de relaxer. Ouais, ben, ça fait du bien d'être dans un sous-bois bâtiche. Déjà, pas mal moins de foin. Puis. C'est plus frais. On est à l'ombre. Yes, sir! Je pense qu'il y en a un qui n'est pas content de me voir. Oh, ça fait que c'est, il nous indique faut qu'on fasse 1 km sur chemin forestier. Après ça, on va se ramasser sur le 10e rang est. Puis après ça, 2 km sur le 10e rang est, on le prend le stationnement du Mont Urban. Mais moi, je vais peut-être continuer carrément sur le 10e rang. Je vais voir comment ça me tente. Mais là, en même temps, il y a des mouches et frappes à bord puis tout. Fait que là, je voulais vous montrer un peu c'était quoi le chemin forestier. C'est moi un chemin de même, là, j'ai pas de troupe pantoute. Fait que là, on va faire ça pendant un kilomètre, après ça, 10e rang. Mais là, je sais pas si j'ai entendu un avion ou le tonnerre. Parce que là, il y a des beaux nuages gris de rétite. Puis on dirait qu'il y en a un petit peu par là-bas. Il annonçait 60% de probabilité. Avec les gros nuages qu'il y a un peu partout dans le ciel, ça se peut. Mais je pensais que j'aurais le temps de me rendre. Ça se peut que je me fasse arroser direct en sa route. C'est peut-être pour ça que je niaiserais peut-être pas là, à aller faire les petits chemins. C'était là, revenir dans le rendis, rentrer dans le bois. Peut-être me dépêcher à me rendre au rendis, même si je dois avoir à peu près 5-6 km à faire au moins. Quasiment pour 2-3 heures à marcher sous le rang. Quand on n'est pas en char, hein, c'est toujours plus long. Fait que là, ben, je ramasse mes bâtons qui sont à terre, là, puis on repart là-dessus, sur les beaux petits chemins forestiers. On est rendu sur le 10e rang. Puis, on s'enligne vers le lac d'Angers. Je ne sais pas combien de kilomètres que j'ai à faire. Il va falloir que je check un peu sur All Trail en même temps. Je suis en train de checker le ciel.
Tout à l'heure, j'ai vu des petits filets là, qui descendaient. J'ai l'impression qu'on me ferait arroser bâtiche. Fait que c'était vraiment le tonnerre que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, on va s'habiller, c'est tout. Ouais, ben moi qui venais juste de me mettre en short puis en t-shirt, symboliquement à vouloir tomber un ondé, on entend le tonnerre. Fait que je suis allé me cacher dans le bois en espérant que les feuilles me cachent en partie de toute cette pluie-là. Mais maudit, il n'y a pas moyen de profiter un peu de la fraîcheur. Ouais, bon, il va falloir qu'on attende que ça passe. De toute façon, il est rendu 2h15. Je pense qu'il me reste à peu près une heure et demie de marche sur le rang 10. Ça recommence. Fait qu'il me reste 3 km à peu près. Mettons, on peut dire qu'il me reste 1 heure de marche avant d'être rendu au lac. Ben, c'est ça. Il me reste juste 1 heure, puis là, pouf, la grosse orage, tous les choses. OK. Ouais, ben on va se cacher, mais on va attendre que ça passe. Ouais, ben tabouère, on a fini par y arriver. Le dernier petit bout, là, quand on monte dans la montagne, pour lâcher comme la traîne de quatre roues, pour s'en aller vers le lac. Ouais, il est pas long, mais il est top. Là, tu sais, après une journée de 18-19 km, là... Ces petites affaires-là font à un moment donné qu'on a toute sorte d'arriver. Mais là, on est direct au lac. Puis là, je suis en train d'explorer un peu. Il y a une toilette sèche. Là, moi, j'ai mis ma plateforme en haut. Parce que dans le fond, il y a une coupelle de plateforme. Il y en a une qui fait dur. Il y en a une autre qui n'est pas pire. Puis là, je vois du monde qui sont là avec leur bateau. Je fais que je vais aller voir c'est quoi cette histoire-là. Puis je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres plateformes ailleurs. Mais c'est quand même... attendez, on va aller voir ça ensemble sur le bord. Oups, ça glisse. Fait que c'est un lac à grenouilles. C'est beau. Une belle petite montagne en face, la montagne de marbre. C'est petit. C'est un petit lac. Ça ne dérange pas. Il est là. Il a le mérite d'être là. Puis j'ai le mérite de m'être rendu là. Et voilà. Je me mérite ça. Fait que là, j'ai pas de bière, mais j'ai traîné quand même mon petit flasque de gin pour fêter ça. Tabouère. Je te dis, c'est pas facile. Il y a plus aujourd'hui. Il fait chaud. La ride était longue. Je suis repoussé dans mes retranchements, je vous dirais, mettons. Fait que la première affaire que je fais quand j'arrive en quelque part pour faire sécher mon linge puis pour me réchauffer, je porte tout le temps le beau petit feu. Faut toujours faire ça. Parce que ça réconforte. Ça crée une petite activité. En même temps, moi, j'ai eu chaud. J'ai gardé quand même mon linge. Fait qu'en bougeant de même, ça me fait sécher mon linge un peu. Ça fait que ça me paraît moins épais, même si j'ai du linge trempe sur moi, bien trempe, humide. Mais je vais essayer de ne pas faire comme hier. Si j'ai à faire sécher du stock, il va falloir que je me trouve une manière sans brûler mes bas. J'ai brûlé mes bas. J'ai fait un trou dans mes talons, là, comme c'est là, les talons. Je peux quasiment... Je pogne mon bas, puis je peux me l'étirer quasiment jusqu'au genou. J'ai scrappé mes bas à cause que je voulais faire sécher mes bas de manière un peu trop rapide. Il aurait fallu que j'aille plus de manière classique là, en les suspendant, puis en les faisant aérer, en tout cas. C'est sûr que des gros bas de laine de mérino, c'est pas facile à faire sécher, là, mais ça me fait comme « Oups là, il faut que je fasse attention ». Je faisais sécher mes sneaks aussi. Mais j'ai cramé aussi une de mes semelles parce qu'elle était humide et était un petit peu trop proche du feu. Ça fait que là, ça, il faut absolument que je me trouve une autre manière de faire sécher mon linge parce qu'à date, ça m'a coûté une paire de semelles puis orthopédique, genre, entre parenthèses, là, des Dr. Shoes, là. Puis une paire de bas Merino. Une. Pas une paire, mais un bas. L'autre, il était sur le bord. Ça fait que je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être qu'il ne passera pas à travers le temps. Mais en tout cas, je me suis parti à un feu.
pour essayer de me trouver une manière de me réchauffer puis de faire sécher mon stock sans les brûler. Au prix que le stock coûte quand tu fais de la randonnée, hein, tu veux pas trop que ça arrive, ces fails-là. Pas trop souvent. Fait que là, j'étais en train de faire sécher mes bas tranquillement. Puis je suis en train de faire un petit risotto avant de retourner me coucher. Bataille, je pense que je me suis dit, je suis pas pour passer d'arrête, même si ça fait 2 heures que je dors. Tu sais, je voyais que la brunante était en train de prendre. Fait que là, j'ai décidé d'appartir mon feu. Puis là, il était en train de... Il y avait un petit peu plus de gaz de l'heure, mettons. Là. Fait que là, pour souper, risotto. Puis après ça, ben, on va retourner se coucher, finir ça, cette petite nuit-là. Parce que dans le fond, ça a été... Mon feu fait des siennes. Ouais, ça a été une journée un petit peu plus difficile que je pensais parce que dans le fond, le passage dans les herbes hautes a été un petit peu plus difficile que je pensais. C'est sûr, sur 6 km, j'en ai peut-être marché le quart dans les herbes puis dans les tourbières où que tu marches puis là, ton pied s'enfonce un peu puis t'es jamais stable, c'est un peu mou. Puis là, c'est arrivé quelques fois que mon pied est carrément passé à travers la tourbe. Je me suis ramassé à quasiment perdre mon soulier. Mais demain est un autre jour. Ça fait que là, je vais brasser ça, ce petit feu-là. Je vais aller mettre mon eau chaude dans mon risotto. Puis après ça, c'est l'heure du souper et bed. Ouais. Il est rendu 9h15 quand même. Ça a l'air d'argent, mais le temps passe vite.